Salut à tous, c'est Kid the Best. Alors aujourd'hui on se retrouve eh bien pour la suite de notre aventure sur notre let's play de The Walking Dead. On s'était arrêté au moment où je buguais, où je ne trouvais pas ce qu'il fallait faire en fait. Et j'ai tout de suite trouvé après. C'est très simple, vous allez voir où fallait aller, faut juste aller voilà dans le camping-car. Et on était obligé de trouver un crayon. Donc on va aller le chercher. J'ai pas envie de lui parler, tiens, je lui parle pas. On va aller là et en fait le crayon il se trouve ici, tenez, regardez un crayon, voilà. Chose la plus facile au monde. Tiens, c'est le VL. Don't move. Don't move. Don't you fucking move. I'm not going to hurt you. Come with me. We could take the RV right now. You left the keys in it. Alors elle veut que je parte avec elle. No way. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Genre. Un pic notre camping-car, super. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Bon. Stop! Si j'avais su, je l'aurais abandonné dans les bois. Hein. Bon, on va se concentrer sur le train. C'est le plus important pour l'instant. Donc voilà. Alors je sais pas la durée de l'épisode, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps, au moins 40 minutes. Je vous le dis tout de suite parce que comme l'épisode 4 va bientôt sortir, je pense la semaine prochaine ou ouais, dans une semaine et demie, deux semaines, l'épisode 4 sera sorti sur le PSN européen. Parce qu'il est sorti que sur le PSN... Oui. Ah voilà, je pouvais plus bouger. Donc voilà, il va sortir très bientôt. Donc c'est pour ça que... D'accord, mon personnage bug. Voilà. Donc je fais cette vidéo un peu plus longtemps, on va dire. Alors maintenant que j'ai trouvé le crayon, on va pouvoir eh bien gribouiller sur la feuille pour voir les dernières instructions pour vous faire démarrer ce fucking train. Alors. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. Ouais, vas-y. Donc il dit qu'on voit encore un peu les traces dessus. Hop, regardez ce qu'on va faire. Perfect. Et voilà. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Alors, ouais, le 6, les deux du bas gauche en bas, les deux gros en haut. Alors, il est où le 6? Là. Alors, celui-là en haut. Celui-là en haut. Celui-là en bas. Celui-là en haut, je crois. Ah non. C'est celui-là en haut. Celui-là en bas. Et celui-là en haut. Son of a bitch. Ah voilà, là c'est mieux. So far, so good. Ensuite, le 5 au milieu et après comme ça, d'accord. Alors le 5, le 5. Celui-là. Voilà. Now we're talking. Non, je peux te parler, je peux te parler. Ensuite, le 9. Un coup à gauche, un coup à droite. Le 9, il est pas là, il était dans le placard là-bas. On va vite y aller. Je pense qu'après, on va pouvoir enfin... Alors, attendez, c'est quel placard? C'est celui-là, je crois. Alors, un coup à gauche,
Et un coup à droite. Voilà, les moteurs sont en route, on va pouvoir bientôt décoller. Yeah, we are golden. Feels good. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Ouais, on va t'occuper des manivelles. Moi, faut que je prenne. Alors attendez, c'est pas dans celle-là qu'il y a les trucs là, si. On va prendre celle-là. Ouais, elle est pas parfaite. On va fermer et on va essayer de voir si on peut enfin débloquer ce qui nous gêne à l'arrière du train. Hop, on va passer par là. Alors, c'était par là, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un petit moment que l'épisode dernier est sorti. J'espère que la vidéo sur ma présentation de ma chambre vous aura plu. Elle a pas mal cartonné, je trouve. Donc bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez des questions, laissez dans un commentaire de la vidéo, puis je vous y répondrai sans un souci. Voilà. Alors. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourtant, il faut lever ce truc jaune. Qu'est-ce que j'aurais oublié? C'est pas la bonne clé alors? Alors, on va en prendre une autre. Hein. Pourtant, il me semble que c'est celle-ci. Bon, on va essayer les trois autres. On va passer par là, hein, tant qu'à faire. Ce sera beaucoup mieux. Peut-être plus rapide, tiens. Quoique. Allez, monte. Allez, 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 allez. Alors. On va prendre celle-là, hein. Parce que je vois pas d'autre chose pour l'instant. Pour enlever ce truc qui nous gêne. J'espère que c'est celle-ci quand même. On passe pas trop de temps non plus à être bloqué sur un énigme, on va dire, même pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, je sais. Je sais, je pense. On va repasser par là. Voilà, monte, c'est bien. Allez, avance. On va faire un petit truc là, vite fait. On va prendre l'autre. On va reprendre la première. Hein. Celle-là. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est comme on n'arrive pas à soulever le truc, comme on a fait démarrer le train, il faut peut-être pousser un petit peu avec l'accélérateur. It's all yours. Allez hop. Voilà. Ah voilà, là il est tombé. Là je vais pouvoir débloquer. Bon, c'est encore moi qui m'occupe de tout quoi. Allez, on se dépêche. Plus vite.
Donc c'est vrai que au début de l'épisode 1, on avait rencontré beaucoup de monde, quoi. Et puis là, au fur et à mesure, on a de moins en moins. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui se font mordre. Je pense aux petits. Il y en a qui sont, qui nous ont trahis, il y en a qui sont morts. Non, je vais pas faire ça. C'était rond, fallait que je fasse. Oui, c'est bien. Allez, parle, voilà. Allez, mets-moi cette merde. Voilà. Hey Kenny, we're loose. Eh ben voilà, c'est pas fini, c'est pas trop tôt quand même. Et on rentre. Je demande à qui ça appartient tout ça. Oula, c'est qui lui? Oula. Who are you? The guy who owns that stuff. D'accord, c'est lui qui a. C'est tout ce. Qui habite ici en fait. Ah, Chuck, il s'appelle. Pour les intimes, Charles. Comme la série Chuck. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas. Tapez sur Google Chuck tout court. C'est une série qui a 5 saisons et voilà, j'ai sorti la saison 5 là récemment, en 2012. C'est une série. Une de mes meilleures séries que je suis. Et j'adore cette série. Si vous connaissez pas, allez voir, vous allez kiffer cette série, c'est absolument sûr. Bon, apparemment, il connaît tout le monde, hein, déjà. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. Bon, on va en perdre un, on en récupère un, voilà. Bon. D'accord, il mange les. Il accepte des bonbons d'inconnus. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love. Ok, il avait rencontré tout le monde avant moi, quoi. Ah, lui, de plus en plus moins mauvais au point. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle. J'aimerais bien voir si on peut jouer de la guitare. Qui m'étonnerait fort, mais bon. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on? Stay with us. We'd like the company. Bah, il va en jouer. Bon. Hey Chuck. Howdy. Where are you from? You live around here? Georgia boy. On va se renseigner un petit peu sur lui vite fait. Why are you alone? Why not? Seems to be doing all right. Bon, mais sûr, il veut pas trop en dire. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a. Normal, on est tous un peu. You still got a couple of kids. This one's got a good spirit. Inquiet, traumatisé, on va dire un peu tout ça. Vu hein. Ce qui se passe avec tous ces zombies. Hein. I'll talk to you later. Hope so. Bon, on va parler à Clementine et puis après, on va essayer de prendre le train, tiens. Taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Bon, il a l'air pas trop méchant, apparemment. I guess. Scary, kind of. Bon. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. Bon, on peut partir. Hein. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Doc's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Ouais, il a l'air pas très bien lui. Hein.
Is the train really a good idea with Duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Kat. I'll be up front. Bon, ouais, il dit, Romeo reste là. Il dit non, tu viens avec nous. C'est un peu logique, hein, c'est son père, sa femme. Bon, bah, tout le monde monte dans le train, hein. Bon, bah, c'est parti, hein. Let's go. Ouais, quand même inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, un zombie. Sans bras, bien sûr. C'est là qu'il saute dans le train, tu sais. Non, on va plus vite qu'au début, là. Tant mieux. Alors. You gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids. No disrespect, son. There were more of us. Dad get him? Yes. Oh, it's a shame. Lee! Lee, I need Oula. You right now. I need you to go get him. What's if you get that off his face? Bon, c'est parti, on va devoir le soigner. Parce qu'elle est l'infirmière. Alors, on pense vite ça. Thank you. Could you just get that off his face, please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. On va parler à Clémentine, on va... Hold on tight in case the train stops fast. Arrêtez le train. I'll get this train stopped right quick. Bon. C'est parti. Elle a l'air un peu en colère, mais bon. You need to stop the train. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Non, je pense pas qu'il aille très bien, mais bon. I'm sorry. I shouldn't talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. What is bon, c'est ta femme qui a dit d'arrêter le train, alors t'arrêtes le train. Sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. This isn't about Doug. It's not about my son dying. What the hell do you know? You're not my friend. I don't hate you. You sure as shit haven't done anything for me. Bon, si tu veux pas arrêter le train, on va y aller par la force, hein. You think you're the reason Doug was bitten? Like you had this coming or something? Stop thinking about yourself, man. You feel guilty. Like you killed any chance of a miracle for Duck when you ran away from Sean Green. There's no room for that shit. This isn't about you. It's about a woman back there who needs her husband and a boy who needs his dad.
Bon, il a quand même arrêté le train. Très mauvais, très, il est en très très mauvais état. Là, il vient blanc. The boy's been bit. In case you haven't figured that out. Bon. Take as long as you need. There ain't no time left to take. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. Ouais, il commence à faire les bruits, tout ça de zombies, tu vois. Very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But no. There's. Come on, Cap. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hun? I mean, Jesus, this is our non, son. Là, il dort pas. I know, but we know it's here. Il est pas juste fatigué. Là, il a vraiment, il va juste vraiment se transformer. You want me to? You don't have to. I'll do it. No, you don't have to. I'll do it. No, it should be a parent. No parent should have to do something like this. Non, non, je le tue. He's right. Y'a pas de soucis. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, ça peut pas être un parent qui tue son propre enfant, c'est pas possible. Il manque vraiment personne, mais non, c'est pas possible. Quelqu'un d'autre qui s'en charge, quoi. Un moment vraiment d'être sûr, et... mais bon. Il nous montre bien l'arme, vous savez, pour bien. I'm gonna take care of Doc. I thought he was going to die. I'm killing him. For good? Yes. So he doesn't. Donc je dis à Clément Time que c'est moi qui vais le tuer et que c'est la meilleure solution. Tu vas pas souffrir. Ben, take Clementine into the train. Go, it'll be fine. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, cours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Get, get. Elle s'est tuée, elle s'est suicidée. En même temps, son fils va mourir. Elle veut partir avec lui. Ouais, elle veut pas voir son fils mourir. Bon bah ça fait encore deux de moins, donc on en récupère un, donc on voilà. Still have to deal with Doc. Bon bah les zombies vont la bouffer hein. S'il y en a un qui passe. Non, 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 c'est moi qui le fais hein. Donne-moi le flingue. Allez. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. Et donne-moi le flingue. On a que j'en ai un dans le dos, mais bon. Allez, c'est parti. 3. 2. 1. Et bam.
Il faisait les gros yeux comme les chats. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Bah, je compte continuer un petit peu quand même. Je vous ai promis 40 minutes. Parce que, bon, voilà, hein, je me répète, mais comme l'épisode 4 est sorti aux États-Unis, enfin sur le PSN américain, il n'est pas encore sorti sur le PSN européen, je pense qu'on devrait l'avoir dans une semaine ou deux. Donc voilà. Donc je vais vous faire un peu plus de temps de vidéo sur cet épisode 3. Eh bien, pour pouvoir, dès la sortie du 4, bah, vous proposer la suite en fait. Vache. Bon. Pas se passer comme ça. Hey, how you doing? Say it to me, asshole. What you said to my girl? Excuse me, son. Telling the little girl she's gonna die. Wanna scare people? Scare me, fucker. Okie dokie. Motherfucker. She's gonna die. Son of a bitch. How is that? How about I throw your sorry ass off this fucking train? Now we're both scared. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do you know? I'll tell you, as long as you don't toss me over the rail. I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. Les effets de caméra sont pas mal, hein. Pour voir un petit peu aux alentours et tout. It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. Like a gun. Are you kidding me? What? She's too young to handle one. There ain't too young. J'aurais pu très bien dire que je suis pas un barbare. Je préfère dire vous avez un gun, vous allez me tuer, c'est ça? You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job, but too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's something. On va quitter. Qui m'intéresse pas trop et que je vais vite avancer. C'est quoi ce bordel, non? D'accord, il y a les armes très mal modélisées en 1D, on va dire. Serait-ce un bug? Alors, attendez. Waouh, vache. Je pense que c'est un bug, hein, les armes qui sont en hauteur comme ça. En fait, je crois qu'on est sous la map. D'accord, super, bien, magnifique. Bon. Eh bien, on va revenir au menu et puis on va continuer à rejouer. Magnifique bug, hein. Là, il faut que j'en vois un autant. Magnifique. Super. Alors, on va se taper les barres de chargement, bien sûr. Oui, je vais reprendre celui-là. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. On perd du temps pour rien. On était sous la map, en fait, hein, parce qu'on voyait les armes. Hey. Ah, reprendre, c'est bon. Bon, bah, j'ai dû reparler. Perdre du temps, c'est logique. I heard you told her she was gonna die, that she was gonna end up like Duck.
Why'd you go and do that? Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you. On va se dépêcher de me parler. Oui, c'est bien, tu redis tout ce qu'on a compris tout à l'heure. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? Bon, on va lui dire autre chose maintenant. I'll figure it out. Well, get to figuring, because it'll be on top of us before you know it. Oui, je redis que les effets de caméra sont jolis. On sait bien. Mais moi, je veux voir la suite. Faut pas me retaper les dialogues. I'm not a barber. It ain't gotta be styled, Jesus. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro. Bon, allez. Moi, ce qui est bien, c'est que quand on change de dialogue, il redit pas toujours, il redit pas la même phrase. Sur chaque choix qu'on choisit, c'est mieux comme ça. La question de la réponse est différente, bien sûr. Et on varie vraiment. Et donc ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant. D'avoir plusieurs choix, de pouvoir faire la quête, la mission, l'aventure. Différents angles. Toujours appréciable. Juste lui redire une autre phrase. Et j'espère que quand on va faire Exit, ça ne rebug pas. Parce que si ça bug, je suis dans la merde. Parce que... j'aurais pas de solution, hein. Je suis pas sur PC, hein. Je suis sur PlayStation 3, attention. Touche à rien. Ouf, c'était un beau bug tout à l'heure, mais... ça a l'air de marcher. On va ressortir. C'était un bug, juste un bug. Pas un beau bug, mais... c'était un bug. Peut-être lui parler un petit peu quand même. I wanted to talk to you about keeping my past from you all. Doesn't matter a lick to me. Fuck. Just gotta move forward. Bon, maintenant il se retrouve tout seul. Bon, alors on va retrouver les autres là-bas. On va parler à lui là. Hey Ben. Parce que je sais pas ce qu'il a. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. Aren't many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. Are you gonna be able to step up? I can do just as much as anyone else. Good. I hope that's true. See ya. Yeah. Why? Mouais. Bon. Tiens, on peut prendre la bouteille. Tiens. Je sais pas si vraiment elle est potable. C'est l'eau qu'il voulait, apparemment. Fouiller dans le sac. Parce qu'il a dit de fouiller dans le sac, je crois, tout à l'heure. Dans le genre. Moi, s'il y avait un gun. Bon, bah, des ciseaux. Peut-être lui parler un peu. Did you talk to him? I did. He had some he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, we're gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and tidy up a little so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy though. You think? We'll keep an open mind about him. He's probably had it pretty rough. I'll be right back. Okay. J'ai pas trop bien compris ce que voulait Kenny avec sa bouteille d'eau. On va aller voir ça.
this train much longer. Ouais, ouais, bon, on va sortir. On va sortir. Lui, bon, je peux toujours rien lui dire. On va voir avec sa bouteille d'eau, là, ce qu'il voulait. Hey. Yeah. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Alors. Il y a cette carte là-bas que j'aurais bien voir, mais... Bah ouais, j'aurais bien la prendre. D'accord. Bon. On va retourner voir lui, là, check. On va lui donner l'eau. Bon. Je peux lui dire non, je peux lui dire j'hésite, et là j'ai dit ouais, bon, allez. Hein. Il boit, je peux boire. Anybody in there want to share a drink? You let him know. Will do. Bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oh, good. Get to snipping. I shot the kid, you know. I suppose someone had to. What a mess. You said it. He's safe up here. You betcha. Il faut peut-être tout lui parler. On va tout parler avec lui et après on verra voir sur les autres. Parce que je lui donnais de l'eau. Enfin, je sais pas si c'est de l'eau, du vin. Et j'ai les ciseaux, mais les ciseaux, je sais pas du tout à quoi ils vont me servir là. J'aimerais bien prendre la carte, mais Kenny veut pas. Moi, si je trouve pas vraiment, on va cesser là parce que ça fait presque 40 minutes de vidéo. Je voulais tout boucler, mais apparemment, il y a pas mal de suites après. Donc voilà. Apparemment, on peut rien faire d'autre ici. Est-ce que c'est un temps programmé? Ou est-ce qu'il faut parler avec toutes les personnes avant qu'on arrive? Non, sors pas. On va finir parler à. Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some. Yeah. Ah bah voilà. Yeah. Fallait qu'on aille chercher sa bouteille pour pouvoir prendre ses putains d'instructions. Moi qui veut bouger, qui voulait pas bouger son cul quoi. Bon, maintenant que j'ai les instructions. Qu'il faut que j'aille le retourner voir. Thanks. Maintenant que j'ai les documents. There was a map of Savannah in the cab. That's where I would look. I'll talk it over with Clementine. Make sure she's got a sense of things by the time we arrive. Good. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que je fais avec la carte, hein, sachant que je peux pas la voir comme ça là. Lui, il en a besoin de dire. Bon, on va sortir, on va aller voir Clementine. Hein. De toute façon, il n'y a plus grand monde maintenant à aller voir. Hein. Il n'y a plus vraiment grand monde. Qu'est-ce qu'il dit? I was the one giving the bandits supplies. What? Quoi? It's all my fault. I
kill you. I... Nobody can see us. I could toss you over right now and be done with it. No! I... Lee, please! Why shouldn't I? They said they had my friend! I didn't know what to do! Lee, please! Là, je pourrais vraiment le pousser, personne ne verrait. Par que les montagnes, c'est du bon côté, mais bon. Je provoque pour qu'ils disent tout, quoi. Bon, au moins il a dit la vérité, quoi. Alors. Apparemment, on peut tout lui donner, là. Hi. So you're probably not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does, kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it, and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. On peut lui donner ça, le flingue et le mouchoir, apparemment. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Apparemment, on va lui couper les cheveux, hein, si bien j'ai compris. Do you know how to do this? Yeah, of course. I don't believe you. Well, good. Good? Bon, bah comme ça, on lui fait une belle coupe. Which is another valuable survival skill. So you did kill someone before. I'm glad you finally told me. Me too. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. Allez, bouge pas, tourne la tête. C'est bientôt fini. You're right. Before all of this, I was sent to jail, you know? Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. There. All set. Eh ben voilà. Does it look dumb? No. You look cute. And a lot harder to grab. Moins d'épaisseur de cheveux, plus court. Toujours mieux, parce que là, on ne trouvera pas de coiffeur. Hein. Alors, les documents, apparemment, je pense que c'est ça. Hey, Clint. Hi. I want to talk about Savannah. Me too. And what we're gonna do when we get there. Alors. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay. And, well, if they're not, what happened to them? I'm sure they're okay. Yeah, it's best to ouais, stay faut positive. Rester positif. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Et puis après, on va lui donner le flingue. There's nothing on the tracks to hold us up. Parce que maintenant, il y a déjà plus besoin. They always stay in the bah, je pense. C'est son flingue qu'on lui donne. On va bien voir après. Hein. Puis après, on va cesser là, je pense. Donc la vidéo prochaine sur bah, le Let's Play sera beaucoup plus court, je pense. En tout cas, j'espère. Parce qu'on a quand même pas mal avancé là. Donc après, je pense que ça va être la pure action. Et puis après, voilà, ça va être la fin de l'épisode 3. Avec plein de suspense, je pense. Enfin, on va voir si on est proche de la fin et je continue, mais je pense pas. Parce qu'on est quand même presque ouais, on a 45 minutes déjà. Je suis 40 minutes, ça fait un peu plus. Je vais pas dépasser les 1 heure parce que tant que le rendu, tout ça, ça va me prendre un moment de temps sur toi l'upload.
Clem, come on. That's not a good idea. You can't tell me what to do. Clementine. I don't want to talk about it anymore. Et maintenant, je lui donne le flingue. You need to know how to protect yourself. Et maintenant, l'heure que tu te protèges. Seul. Par toi-même. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Squeeze the trigger. Steadily, okay? Don't give it a quick yank or pull. Steady. I can do that. Every time. It'll be tough, but just remember to do that. You'll hit what you're aiming at. Okay. I'm ready. Bah c'est bien que tu sois prête, hein. Et voilà, c'est parti pour l'entraînement. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. Elle a eu peur. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Okay, aim a little bit more to the left. Aim lower. Bit to the right. A little bit lower. Close. Now keep it steady. Okay, a little higher. Eh ben voilà. On peut l'indiquer à gauche, à droite, en hauteur. Excellent. Et puis après, voilà, juste lui demander de tirer. Encore une autre. Eh bien, encore une autre. Allez, c'est reparti. Vise. To the left. Aim lower. Eh ben voilà. There you go. Nice. Bon allez du premier coup maintenant. Eh ben voilà. I did it. Yeah, you did. Good job. Avec un petit peu d'entraînement, hein. Alors je pense que normalement c'est en réalité c'est beaucoup plus long, mais bon, on va pas y passer 15 jours non plus à lui montrer. Déjà c'est visé, c'est déjà le principal. Ok, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Bon, moi je récupère l'arme quand même, mais bon, c'est assez s'en servir, donc bon, c'est déjà ça. All right. How do you feel? Good, better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit! Hold on! Qu'est-ce qui se passe? Vache! Bon. Eh bien, je pense qu'on va se laisser là. Je vais enregistrer bah, tout de suite la suite, hein, comme ça. Unexpected delay. Faut que c'est peut-être la fin déjà. On va voir. Non, je pense pas que ce soit la fin. Fuck, 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 fuck. Eh ben, on va se laisser sur ce fuck. Hein. J'espère que vous aurez apprécié cette That's vidéo. Laissez un j'aime et un commentaire. Et puis, bah, la suite bah, de l'épisode 3, bah, la semaine prochaine. Hein. Parce que celle-ci, bah, voilà, je vais l'uploader cette semaine. Et puis, j'ai d'autres vidéos pour... pour cette semaine en projet, je pense, que je vais faire, je sais pas, je verrai. La découverte sûrement d'un jeu ou ce genre de choses. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Laissez un j'aime et un commentaire. Et puis on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur The Walking Dead. Avec de nouveaux gens, tiens. Allez, bye bye, je vous laisse sur ces commentaires. Bye.
No, we're friendly! Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape.